Toussaint. Et salut tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui, j'ai des envies. J'ai des envies. Dégueulasse comme phrase. On va de suite sortir la suite de la phrase parce que sinon ça va être très bizarre. J'ai des envies de Mapmaker, du côté de la Red Sword en tout cas. Mais comme j'ai toujours été quelqu'un qui n'a aucune idée, qui n'a aucune imagination et tout ce qui va avec, bref, je vous passe la suite. Eh bien, je viens d'avoir une petite idée. Alors, aujourd'hui, que va-t-on faire? Bah, suite à la création de la map pour les 1 an de ma chaîne, que j'ai d'ailleurs toujours pas sorti, j'attends juste d'avoir pas mal de personnes pour venir jouer, que je puisse filmer pour faire le trailer. Voilà, c'est annoncé, je ne sortirai pas la map avant d'avoir fait le trailer, sachant qu'il y a encore beaucoup, pas mal de modifs à faire dessus. Du coup, bah, ça m'a donné envie d'en faire une, mais les idées me manquent. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils sont un peu au courant. Non, je sais même pas si je l'ai dit. Mais globalement, la map pour les 1 an de ma chaîne, c'est une. Comment dire? J'ai repris. Oui, j'ai recréé depuis zéro. Hein. Ça c'est relativement important. Je veux dire, c'est pas juste de la simple copie. J'ai recréé depuis zéro la map de Sisuma, si je dis pas de conneries. La map Rush, pour ceux qui connaissent. En ajoutant pas mal de choses que j'aime bien et que je trouve sympa, je l'ai refaite de zéro. Voilà, j'ai pas envie de refaire une copie, même avec des modifications. Alors ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, moi je vais vous filmer la création de la map, tout simplement. Ce sera une espèce de série, une série tuto, j'ai envie de dire. Ouais, une série tuto dans l'ensemble, hein, des systèmes en redstone qui ajoutent des commandes blocs et les dernières fonctions des dernières snapshots. Et vous allez me dire ce que vous voulez comme map. Alors si c'est une map PVP, si c'est une map... Bah, déjà, si c'est une map solo, si c'est une map qui peut être jouée ou en solo ou en multi, ou si c'est une map que multi, si c'est du multi, est-ce que c'est juste contre des mobs, est-ce que c'est du PvE du coup, du PvM ou du PvP, pardon. Voilà, vous allez me dire tout ça. On va avancer globalement, donc on va l'appeler ça comment? On va l'appeler map sans nom pour le moment. On va se mettre en créa. Alors, je vais vous montrer déjà la base, enfin, bon, on va dire ça comme ça. Je vais prendre une initiative en tant qu'idée de map. On va déjà créer la map dans le vide, ce qu'on appelle dans le void, dans le VOID. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sol. Hein. On va créer tout à partir de rien, c'est-à-dire à partir du vide total. Donc globalement, la seule obligation qu'il y aura sur la map, si je puis dire, c'est que les joueurs pourront tomber dans le vide. Voilà. Ou pas, hein, on pourra mettre des murs, mais voilà, globalement, je préfère comme ça. Donc, pour faire ça, il y a une manière très simple de le faire. Donc je vous explique. De suite, enfin je vais vous montrer de suite, mais avant je vais vous expliquer très rapidement ce que vous aurez besoin si vous voulez, vous en même temps que moi, créer une map comme ça. Si vous avez des idées et que vous voulez les garder pour vous, bande de petits saloupio, vous aurez besoin de Minecraft, tout simplement. De quelques connaissances du côté de la Redstone, du côté des commandes blocs. Et de MC Edit et certains filtres de cette bling. Voilà, donc ça c'était la globalité. Maintenant on va passer à la création. Donc More World Options, Generate Structure, j'en veux pas, donc Off World Tip. On va mettre un super flat qu'on va customiser. On va le customiser d'une certaine manière, c'est à dire pour avoir une map complètement vide. Pour ça vous allez supprimer tout ça. On va mettre 2 point virgule 0, point virgule, 1, et n'oubliez surtout pas le point virgule à la fin. Pourquoi? Si je laisse ça comme ça, donc 2, point virgule, 0, point virgule, 1, si je fais use preset et qu'ensuite je reviens dedans, vous allez voir qu'il m'a rajouté les villages. J'ai dit que je voulais aucune construction, donc ce que vous faites, c'est que vous ajoutez un point virgule à la fin, et là vous faites use preset, et nickel, il rajoute rien. Donc là on a notre preset, voilà, vous voyez, il y a de l'air partout. On va faire done, allow shit on, bonus chest off, generate structure off, done. On est en créative, map sans nom.
Create new world. Donc le temps que ça génère, toujours un petit peu chaud. Désolé si vous avez entendu le micro bouger. Ça c'est encore plus long que d'habitude quoi. C'est fou ça, de snapshot en snapshot, ils allongent le temps de... Olé, on va se mettre à voler, histoire de pas tomber, voilà. On monte un peu. Alors je vais monter couche... C'est 256 le max, on va monter couche 50, comme ça on aura de la marche en dessous. Et de suite, voilà, vous voyez que c'est complètement vide, de suite on va se déconnecter. Et on va se retrouver, donc vous voyez, je suis dans la dernière, toute dernière snapshot là, qui vient de sortir aujourd'hui, je crois, je sais plus, dans la 13W10A. Et on va se retrouver de suite sur MC Edit, voilà, je vous dis à de suite. Voilà, donc on se retrouve sur MC Edit. Alors non, cette séquence n'a pas été filmée après avoir fini de filmer tout l'épisode, hein. Non, ça ne se voit pas. Derrière moi se trouve ce que vous retrouverez au final à la fin de l'épisode. J'ai eu un bug en fait au moment de filmer cette partie. Je sais pas pourquoi, j'avais laissé Minecraft ouvert et Fraps a filmé la fenêtre Minecraft et non pas la fenêtre MC Edit. Allez savoir pourquoi, je veux dire, voilà. Mais du coup, donc je la refais. C'est pas complexe hein, pour placer un bloc dans le vide comme ça. Vous avez juste à. Alors, petite astuce, quand vous êtes sur MC Edit, vous pouvez donc en déplaçant votre souris choisir des blocs. Et si vous faites clic droit, vous pouvez vous tourner comme ça. Hop là, vous n'avez rien vu. et en se tournant, vous voyez que le bloc se rapproche. Voilà, ça sélectionne beaucoup plus près. Donc vous faites clic droit, vous faites un premier clic gauche pour sélectionner. Si vous déplacez, ça sélectionne une plus grande rangée. Mais là, on reste sur le même bloc, on refait clic gauche et on a sélectionné un seul bloc. Voilà. Vous pouvez le monter en cliquant gauche sur Nudge qui est en gris. Nudge en vert aussi pour le moment parce qu'il n'y a rien. Mais Nudge en vert, si vous sélectionnez des blocs, ça déplace les blocs. Nudge en gris, ça déplace juste la sélection. Donc vous restez cliqué gauche sur Nudge. Et ensuite, c'est Z pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite. Vu que MC Edit est en QWERTY, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais chez moi oui, A c'est pour monter, monter d'une couche de Y, W c'est pour descendre, hein, voilà. Donc vous sélectionnez où vous voulez votre bloc, vous allez dans Fill and Replace, vous sélectionnez donc Replace, ok. Donc on cherche Find de l'air, donc s'il n'est pas ici, hein, vous prenez, il est juste là. On cherche de l'air et on va le remplacer par exemple, de la stone, voilà. Hop. Et on fait replace. Voilà. Et là, vous pouvez déselect, sauvegarder. Et vous avez votre bloc de stone. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve sur Minecraft. Mais avant, on va bouger le point de spawn. Voilà, donc on va le mettre juste ici. Donc vous cliquez dessus. Oui, il a besoin de placer un bloc. Donc fix it for me. Voilà, ok, c'est cool, il est placé un bloc au-dessus qui sert complètement à rien, c'est pas grave. On sauvegarde, on quitte et on se retrouve sur Minecraft, voilà, de suite. Voilà, on est de retour sur Minecraft. Effectivement, il a ajouté un bloc, ce con. On est couche 60, ouais, c'est un peu haut, donc c'est pas grave. On va prendre de suite, on va faire ça en bloc de quartz, ce sera super. Je vais prendre un bloc de diams. Hop, on va garder le... bon centre, mais on va juste le remplacer par un bloc de diams pour avoir le centre et on redéplacera le point de spawn pour être sûr un peu plus tard. Ici on est donc couche 55, allez on va descendre couche 50 pile. Voilà, couche 50, on est couche 50, on est en 2009, c'est cool, on a bac de 4 ans, c'était pas marrant. Et ici, on va donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai jamais su, hein, honnêtement, j'ai jamais su et j'ai complètement la flemme de chercher combien fait le spawn. Alors, il me semble que ça dépend juste de la config server du côté du spawn radius. Honnêtement, je pense que 15 de chaque côté, ça fait du 30 de large sur du 30, enfin ça fait un bon gros carré de 30 sur 30, je pense qu'on est sûr d'être dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, merde, attendez, j'ai un petit peu fait le débile, je me souviens plus si, on va recommencer comme ça, on sera sûr, on va compter 15, ouais, sans compter le bug du milieu, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cool. Donc 15 ici, 1, 2, 3,
Olé! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 là. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ici. Olé, attention de ne pas tomber. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15 là. Ce qu'on peut faire au pire pour que ce soit plus simple, on va simplement avancer ici. Et ici, voilà, comme ça on a notre centre là. Enfin notre centre, notre angle, pardon. Notre centre, n'importe quoi. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Je suis allé un poil trop loin. Désolé, vous entendez sûrement le spam de ma souris. Bref, voilà. On va juste avoir cette espèce de forme, à la limite, pour enlever tous les autres blocs sauf les deux angles et le bloc du milieu. On va garder ça comme ça. Pour ne pas se faire chier, on le fera sur MC Edit plus tard. Pour le moment, on va simplement imaginer que le carré est complet, que c'est une plateforme toute plate, hein, remplie complètement sans trou. On va simplement prendre 1, 2 en arrière. Techniquement, je suis même largement au-dessus du spawn, donc on va pas se faire chier. On va juste faire des rebords. Olé! Non, j'ai bien fait, j'ai pas. Oui, du coup, autant faire les autres angles, j'ai envie de dire. Sur MC Edit, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Voilà. De l'autre côté, on a l'angle, c'est bueno. Et pour ceux qui se posent la question, on est en train de faire le spawn. Alors, je vais juste terminer. Tac, 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 tac. Voilà, donc on a nos coins, nos angles. On va de suite prendre des tripwire hooks que l'on va placer sur uniquement deux côtés. Opposés, bien entendu. Voilà. Donc de ce côté et de ce côté. Voilà. Et maintenant, pour pas se faire chier, on va repartir sur MC Edit pour simplement ne pas se faire chier à remplir la plateforme. La remplir, donc rendre tout ce gros carré plat et surtout plein et poser les fils parce que les fils c'est chiant à poser à la main, tout le monde le sait. Donc on se retrouve sur MC Edit. Voilà, on est de retour sur MC Edit. Donc à l'heure actuelle, il n'existe pas de version d'MC Edit qui prend en compte les derniers blocs, il me semble. Ou sinon, c'est que je suis pas à jour, mais c'est pas très grave. L'idée du bloc, c'est écrit de façon Future Block, c'est 155. Donc, on a tout sélectionné. On va faire un Fill and Replace. On fait OK. On clique sur Replace. On fait OK. On va simplement remplacer l'air pour pas remplacer le bloc du milieu, parce que le reste ça sert à rien de le remplacer. Oh, c'est cool, ça s'affiche des commandes blocs, c'est sympa. Donc on remplace, donc on cherche find, on cherche l'air et on le remplace avec 155 future block. OK. Replace. Bam. On peut désélectionner, on peut sauvegarder aussi. On peut aussi voir que ça a pas du tout marché. On peut faire un contrôle Z, sachant que c'est en QWERTY, donc c'est le contrôle W pour revenir en arrière pour resélectionner. Et on peut vérifier que ça a marché. Replace, s'il te plaît. L'air, Future Block. Replace with Future Block. Swap. Replace. Swap. Replace. Swap. Non, swap. Ok, d'accord. Ouais, c'est cool ça. Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Poupidoupi. Replace. Ok. Je crois que ça m'a mis de la stone. Ok, c'est cool. Ça a l'air genre vachement sympa. C'est pas grave. Au pire, huit, tac, fill and replace. Tu me cherches, tac, non ici. Tu me cherches la stone et tu me la. Merde, je suis un peu débile. C'est pas grave. Et tu me la remplaces par 155, s'il te plaît, si c'est pas trop de demander. Replace. Voilà, c'est bueno. Deselect, on sauvegarde. Nickel. Donc on a notre plateforme pleine. Maintenant on va poser juste les fils. Donc
à ne pas se planter, les tripwires prennent cette rangée-là, enfin cette ligne. Donc on va commencer d'ici. Et on va partir jusqu'à... On va bien se placer, voilà, jusqu'à ici. Sachant que c'est pas les c'est pas à la place des blocs qu'on doit les placer. Donc c'est pas sur cette couche-là, c'est au-dessus. Donc on va monter de 1, voilà. J'aurais voulu déplacer les blocs. Ouais, ça, je crois que c'est ce que j'ai fait, on va redescendre. Plutôt prendre celui-là, ah, c'est mieux. Donc on remonte juste d'une couche, on va recommencer. Fill and replace. J'ai sale manie de sauvegarder constamment. On remplace l'air, j'espère que ça se marchera ce coup-ci, par... Bon, ce coup-ci, ça va être plus simple. Des... merde, des fils, 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 wire. Bien joué. Par des tripwire, voilà, ça s'appelle comme ça. Ok. Replace. Ça a fonctionné. Deselect, parce que c'est un futur bloc, je pense que ça a bugué tout à l'heure. Nickel, on a sauvegardé, et là, on a notre truc de spawn. Donc, on va de suite retourner sur Minecraft pour continuer et terminer le point spawn de suite. Et c'est magnifique, on a notre... On a notre joli petit spawn, pardon, j'ai dû taper dans le micro, complètement plein, avec des tripwires fonctionnels, ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il en manque un? Ah, ça a dû bugger, dans ce cas-là, on marche dessus. Donc au pire, vous partez d'un côté, run, 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 et vous marchez sur tous, comme ça, ça les remet tous à zéro, et on est sûr qu'il fonctionne, voilà, des deux côtés techniquement, c'est ça. Donc maintenant, on va simplement jarter ça et ça, on va prendre notre petite base de redstone, c'est-à-dire torche, redstone, repeater. On va se mettre derrière le premier tripwire, en dessous même, comme ça on sera direct un peu plus en dessous. On va se mettre la rangée en bloc, on s'arrête bien au bon endroit, nickel. Alors combien avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça doit faire beaucoup plus de 11 ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on a de la marge. 12, 13, 12, 13, 14, 15, 14, 15. Ok, donc ça va pas plus loin que 15, donc là, ça ira pas plus loin. Donc on va tricher un petit peu, on va dire. Le milieu est où? Il est là, on va le casser pour être sûr. Là, on va tricher un petit peu dans le sens où on va placer deux blocs comme ça. On va placer un repeater sur chaque bloc. Donc, globalement, si on active un tripwire qui se trouve ici, ça va activer cette ligne de redstone. Vu qu'elle est ici à 15, ici sera quand même activé même si on est tout au bout là-bas. Ce qui va activer le repeater ici. Donc, pareil pour l'autre côté, bien entendu, c'est symétrique. Hop. On va recaler... On va... Pff, non, pas la peine. Si vous le faites, si vous êtes mapmaker en survival, vous pouvez économiser de la redstone en faisant ça. Voilà, vous utilisez qu'un seul fil au lieu de 3. Mais bon, globalement, on s'en fout un peu. Hop, hop. Ici, on va mettre une torche. On va descendre pour avoir un peu plus de hauteur. Ce sera sympa, voilà. Donc ça, c'est nickel. On va reposer un bloc, non pas pour le recasser derrière, mais pour reposer une torche. Et ici on va ruser un peu, donc on va de suite se give un command block, 137.1, voilà. Pour le style, on va le renommer, toc, toc, on va l'appeler system. C'est très bien, d'ailleurs on va s'en re-give un autre, parce que j'ai une petite idée. On va le renommer... Information, voilà, information, voilà, tac, ça on s'en fout, nickel. Donc, ce que va-t-on faire ici? Pourquoi avoir posé une deuxième torche? On va simplement faire une boucle, donc, un olé, la souris qui pète des câbles, un repeater de redstone, un repeater, ou si vous voulez économiser la redstone encore une fois, vous mettez ça comme ça. On va la mettre... On verra le délai après, ce sera en fonction justement. Toc, 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 toc. Donc ici on va avoir une première sortie et on va avoir une deuxième sortie. Alors pourquoi une deuxième sortie? Vous allez voir de suite, on va mettre une mémoire toute simple. Donc une mémoire toute simple c'est comme ceci. Voilà. Repeater. Redstone.
Torche, torche. On la reset, voilà. On a la sortie ici. À la même hauteur, ce sera nickel. Et au niveau de la sortie, on va mettre tout ce qui est command block des game rules. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est les game rules, ça tombe bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les game rules, bon, bref. Ce sont les règles de base de toute map Minecraft qui sont maintenant, enfin depuis la 1.4, je sais plus combien, qui sont paramétrables depuis les command blocks. Et en commande simple comme ça d'ailleurs. Ce sont par exemple, comment dire, la propagation du feu par exemple, on peut l'activer ou la désactiver avec les game rules, le fait que les mobs puissent griefer le paysage, donc qu'un creeper quand il explose casse l'environnement, les blocs, on peut l'activer ou non, pareil pour que les undermen puissent prendre des blocs ou les ghasts puissent exploser des blocs, etc. Et le wither aussi je crois. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que les mobs, quand on les tue, drop des loot. Que quand on casse un item, ça drop un loot ou pas. Enfin, un item, pas comme ça, mais quand on le casse en survival ou quand on le casse direct comme ça, voilà, que ça drop. On peut le régler, on peut l'activer ou non. Ouais, plein de petites choses comme ça. Donc, on va le mettre à système. Toc. On va le mettre à système. Et on va en régler un en premier. Donc celui qu'on va régler en premier, on va le mettre comme ce... Non, il n'y a pas besoin de ça. Toc. Non, on va pas se faire chier. On va le mettre ici, voilà. Et ensuite, avec un petit délai, histoire d'être sûr, on va mettre les autres. Donc techniquement, il y en a 7 au total, sachant que le premier fait partie des 7. Donc après, on a 3 et 3, c'est nickel. Donc le premier, c'est le game rule... Game rule, donc pas besoin de slash dans les command blocks. Hein. Game rule qui s'appelle command output. Oh là là, command block output. On va le mettre à true pour le développement. Ça permet de voir quand on active un command block. Je vais vous montrer de suite. Tac. Vous voyez, ça a marqué system game rule has been updated. Si je le mets à false, donc si je désactive le command block output, que je reset la mémoire et que je le relance. Voilà, ça n'a rien marqué parce que bah, la sortie des command blocks est désactivée. C'est-à-dire que le texte dans le chat qui a marqué comme quoi on a activé un command block et ça a marqué ce que ça a fait globalement. Là, ça a mis à jour game rule has been updated, ça a mis à jour une game rule. Globalement, ça, tout message comme ça est désactivé. Donc on va le laisser à true pour le développement, comme ça on verra s'il y a des trucs qui marchent pas ou quoi. Et derrière, on va définir les autres. Alors, il existe... Donc celle-là, on faisait partie... Il existe 6 autres game rules, donc on a le... on va commencer par quoi? Do mob spawning, donc si les mobs peuvent spawn ou non. On va le mettre à false pour être tranquille pour le moment. Après je vous dis, hein, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'il y ait des mobs, si vous voulez qu'il n'y ait pas de mobs, si vous voulez que les mobs drop des loot, etc. Tout détail est bon à prendre, et sera réfléchi bien entendu. Do mob spawning, ensuite on a game rule do mob loot, qu'on va mettre à true. Pour le moment. Donc les mobs, quand on les tue, ils lootent des items. Des loot. Ensuite, on va avoir do mob griefing. Ou mob grief. Je crois que c'est mob grief. Oui, si, c'est do mob griefing. On va le mettre à false. Allez, c'est-à-dire qu'on va désactiver le fait que les mobs puissent, les mobs tels que Creeper, Enderman, Ghast et Wither puissent casser l'environnement. Ensuite, on va avoir do fire tick, donc c'est la propagation du feu qu'on va désactiver pour des raisons de sécurité pendant le développement. On va avoir aussi do till drops, on n'a pas oublié le S, moi je l'oublie tout le temps, là je m'en suis souvenu, qu'on va activer pour le moment. Le till drops, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand je fais ça, que ça ne drop pas de loot. Voilà, et il en manque un. Et j'ai un sacré trou de mémoire. On a le command block output. Du côté des mobs, on a le spawning, le mob loot, le mob griefing. Il en manque un. Du mob griefing, du mob loot, du mob spawning. Olé.
Eh bien, j'ai un gros trou de mémoire, je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, donc je m'étais planté, c'était pas sur les mobs qui restaient le dernier, c'est le fait de garder son inventaire, tous les items de son inventaire, et son armure, etc., quand on meurt, qui s'appelle Game Rule Keep Inventory. Et on va le mettre à False pour le moment. Voilà. Donc ici on a ça. Ce qui va se passer, c'est que techniquement, une fois que le serveur est configuré, etc., si c'est une map multi, hein, techniquement c'est configuré par défaut, c'est assez bien configuré. Non seulement ça va nous servir pour régler certaines de ces 7 game rules, enfin de ces 6 game rules, parce que l'autre on le désactivera complètement, si vraiment on a besoin d'un truc précis qui est pas par défaut. Mais aussi ça permet d'être sûr que c'est bien configuré comme on veut exactement. Et on a mis ça sur une mémoire pour éviter de bah justement de spammer à chaque fois qu'il y a un joueur qui se connecte, de reconfigurer le serveur globalement. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va configurer. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que ça l'a activé? Non. Pas mal ça, des bugs. Ah voilà. Ah oui, oh putain, j'ai oublié un. Quel débile. J'ai oublié une redstone ici, important. Voilà, vous avez vu, ça a mis à jour, etc. Et. Oh, no game rule called do mob griefing et keep inventory. Oui, c'est normal, keep inventory. Si je fais des grosses fautes, keep inventory. False. Et mob griefing. Il est là-bas. Do mob griefing. Ça doit être do mob grief. On va voir ça de suite, hein, de manière, ça le marque. Non, là ça va pas le marquer du coup, comme vous avez vu, hein, là j'ai simulé les connexions d'un deuxième joueur, et tout ce qui est game rules ne se remet pas à jour. Donc ça c'est permet juste de pas trop spammer, voilà. Hop, on active. Ok, c'est pas do mob grief. Bah, je crois qu'il y a pas, il y a juste pas de do devant en fait. C'est bien griefing, mais je crois qu'il y a pas de do devant. C'est juste mob griefing. Ouais, c'est ça, game rule mob griefing false. Ok, on va reset pour vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça, 99,9%. C'est bel et bien ça, voilà. Donc là, ça vous a mis, hein, pour chaque game rule, que ça a été update, etc. Si on met le command block output à false, pardon, ça ne nous marque rien. Et c'est tant mieux, parce que ça spamme un peu sinon. donc, on le remet à true pour le développement. On va reset ça et on va mettre un bouton pour le reset. Chut, chut. Voilà. Donc, techniquement, on a besoin de. Pardon. On a besoin ici de. À chaque fois qu'un joueur se connecte, on va le mettre en game mode. Aventure. Donc, game mode 2. Histoire que pendant la sélection des classes, etc., ce genre de choses, si on en a, enfin, entre le temps où il va spawn entre le moment où il va spawn, pardon, et le moment où il va commencer à jouer, qu'il puisse rien casser, ça rien. Donc on va lui changer son game mode et on va le TP, parce qu'on compte pas laisser les joueurs ici, hein, ce serait un peu débile, et on va le TP au au spawn de la map. Ça, c'est le premier spawn, histoire d'être sûr qu'on a bien tout ce qu'il faut, qu'on les a bien placés où on veut, les joueurs, etc. Et ensuite, on construira le spawn. Voilà. Globalement. Donc, ici, on va. On va placer de suite système toc. Donc, game mode TP, voilà. Dire qu'un joueur arrive avec une commande de style say @p vient de se connecter, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose, ça le dit déjà, quoi. Ça le dit déjà dans le chat quand un joueur se connecte, se log. Donc, pour le moment, on va simplement avoir game mode. avant ça, pardon. On va aller récupérer simplement. On va aller récupérer simplement les coordonnées du centre. Alors, qu'est-ce que j'entends par le centre? C'est-à-dire ici. Pourquoi? Vous allez comprendre. Tac, je le mets là. On y est bel et bien. Les coordonnées du centre, pourquoi? Je vais les noter vite fait. C'est donc moins 2009,
Moins de... Oui, c'est vrai, on a perdu quelques années. Moins 2009, 50, oui, ça c'est pas mal, c'est assez pratique. 1120. 1120, voilà. On va les récupérer et on a pris 15 de chaque côté, donc on va mettre 25, ça devrait suffire. À la limite, je pourrais même mettre 30, histoire d'être sûr, c'est pas grave, au pire on éloigne le spawn. On va prendre arrobase A, donc pour prendre tous les joueurs, pour être sûr que il n'y ait pas de bug au niveau au niveau de la boucle ici. Techniquement, il n'y en aura pas, mais on ne sait jamais. On va donc faire game mode. Avant ça, on va juste commencer le sélecteur. Arrobase A, entre crochets, et on va définir la position. Donc X égale moins 2009. Y égale 50 et Z égale 1120. Alors très important quand vous faites des sélecteurs avec des crochets comme ça, X égale machin, Y égale machin, Z égale machin, ensuite vous ajoutez les levels si vous voulez, L égale machin, LM égale machin, le rayon, bref, il y en a plein. Mais surtout très important, pas d'espace après ou avant les virgules. Voilà. Sinon ça marche pas, tout simplement. Et on va ajouter donc un rayon, donc R égale, on va le mettre de 25 pour commencer, on fera un test dans un angle pour voir si ça marche. On va copier ça et on va ajouter donc Game Mode 2 pour tous les joueurs qui se trouvent globalement dans ce spawn. Voilà. Et ensuite, on va faire TP et la part arrobase A mais arrobase P, donc le joueur le plus proche. On va le. On va le TP en test. Voilà. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Donc ça c'est bueno. Donc il faut qu'on teste ça. Donc on va se mettre là, genre. Bam. Updated, donc c'est que ça marche. Voilà, et ça tourne en boucle. Vu que ça m'a pas TP, ça tourne en boucle. Hein. Ça m'aurait TP, ça serait arrêté, bien entendu. Game mode 1. Le seul X c'est ça. Non, j'ai rien dit. Si je fais ça. Non. Ouais, je l'ai peut-être pas fait assez vite, mais bon. Techniquement, je pense que 25 ça suffit largement, vu qu'on a 15 de chaque côté. Voilà. Il faudrait compter en diagonale. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais oui, mais quel débile. Je suis vraiment con comme gosse, sérieux. Non, il faudrait compter comme ça. Voilà. Donc ça ferait 15. Plus 15 ou 14, ça ferait 30. Ouais, globalement, ça a marché, j'ai envie de dire. Hein, donc bon, voilà. Donc ça c'est bueno, on va reset ça, voilà. C'était déjà reset, c'était bien chelou d'ailleurs que ce soit déjà reset. Comment ça se fait que c'était reset alors que je me suis placé dessus? Olé, putain je vais galérer. Bravo Raptor. Voilà. Tiens ça s'active pas ça. Si, c'est seulement moi qui suis con. Voilà. J'ai rien dit. Voilà. Donc techniquement, on n'a pas besoin de plus. Donc on peut casser ça, c'est nickel. On peut, si vous voulez, ajouter des trucs. Ensuite, donc le spawn est fait. On va commencer juste à s'éloigner un peu pour faire une petite plateforme pour le spawn numéro 2, on va dire. Deuxième endroit où ils arriveront dans ce preset connecté. Donc on va s'éloigner de... 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50, voilà, 50 c'est pas mal. Donc on s'éloigne de 50 blocs, pas obligatoire, hein, on peut vous mettre où vous voulez, même au-dessus si vous voulez. Au-dessus à faire gaffe avec le sélecteur, hein, avec le rayon, hein, c'est en sphère. Et on va se laisser ça pour le premier épisode. Je vais attendre vos feedbacks. C'est très comment dire, frustrant de ma part. Enfin, de ma part. Très frustrant pour moi. Parce que j'ai très envie de continuer. Mais j'ai pas le choix. Hein, si je commence un truc et que c'est pas ce que vous voulez, ça va pas le faire. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'il me faut comme réponse? Absolument. Il faut que je sache si vous voulez que ce soit du PVM, donc du personnage VS monstre, donc voilà, du viol de mob. Si vous voulez que ce soit du PVP, si vous voulez qu'il y ait des deux, enfin le plus important c'est qu'il faut que je sache si c'est du... Comment dire?
si, s'il y a du PVP, voilà, tout simplement. Donc s'il y a plusieurs équipes, globalement. Il faut que je sache aussi. Ça doit pas être très cool pour vous de voir rien. Il faut que je sache aussi. Si c'est pas mal de détails dans le genre là, je veux dire si c'est du PVP, combien de joueurs maximum, combien d'équipes, comment ça se passe, c'est-à-dire si c'est genre si on prend 10 personnes max, si c'est du 5v5, si c'est du 1v1, 5 fois, enfin bref, pas mal de détails comme ça, mais surtout très important, il faut que je sache si c'est du PVP ou non. Pourquoi? Parce que si c'est du PVP, il va falloir au spawn, pareil, on ajoutera ça après les game rules. Il faudra qu'on ajoute les scoreboards. Enfin, les scoreboards des teams. Techniquement, on pourrait déjà ajouter quelques scoreboards tels que la vie, etc. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Donc voilà, j'attends vos feedbacks avec impatience. J'espère que cette nouvelle série vous plaira pas mal. Moi, j'espère que ça me plaira aussi, parce que c'est un peu le principe aussi, hein, on va pas se mentir. Je vous remercie aussi pour les 600 abonnés et pour bah, les 1 an de pur bonheur. Il y a eu quelques baisses de morale, quelques pauses. Mais bon, j'ai pas le choix et malheureusement, c'est pas encore fini. En tout cas, voilà, 600, c'est quand même un chiffre assez énorme. Et puis voilà, je sais pas quoi dire. Tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. J'attends vos réponses avec impatience et en grand nombre. Et bien sûr, ciao, ciao tout le monde.